début des tout premiers commencements, l'aîné des magiciens prépara la terre, puis la mer. Puis, il dit aux animaux de venir et de jouer. Ô aîné des magiciens, à quoi devons-nous jouer? Toi, tout ce qu'il y a d'éléphant, joue à être un éléphant. Et tout ce qu'il y avait d'éléphant au monde, joua à quoi? À être un éléphant. Toi, tout ce qu'il y a de castor, joue à être un castor. Et tout ce qu'il y avait de castor joua à quoi? À être un castor. Puis ce fut le tour de tout ce qu'il y avait de vache, le tour de la tortue, bref, le tour de toutes les bêtes. Joue à être une vache. Oiseau, poisson. Joue à être une tortue. Enfin, vers le soir, l'homme arriva, avec sa petite fille chérie à lui personnellement. Quel est ce jeu, aîné des magiciens? Ô fils d'Adam, c'est le jeu des tout premiers commencements. Tu es trop sage pour y jouer. Oui, c'est vrai. Alors fais en sorte que tous les animaux m'obéissent. À ces mots, la petite fille chérie remarqua le crabe Pau Amma. Il était furieux contre l'homme. Puisqu'on ne s'occupe pas de moi, j'irai jouer mon jeu tout seul dans les eaux profondes et je ne me soumettrai jamais à ce fils d'Adam. Et le jeu continua jusqu'à ce que tous les animaux aient reçu leur rôle. Alors, l'aîné des magiciens se promena par le monde pour voir comment les animaux jouaient. Il alla au nord et trouva tout ce qu'il y avait d'éléphants en train de bêcher. Koun, ce qui signifie « c'est bien ». Bayakoun, ce qui veut dire « tout à fait bien ». L'aîné des magiciens souffla et les grands monts de l'Himalaya surgirent de terre. On peut même les voir sur la carte. Ensuite, il alla vers l'est. Il souffla là où la vache avait mangé et le grand désert du Sahara fut créé. Puis il se dirigea vers l'ouest. Koun? Bayakoun. L'aîné des magiciens souffla et cela devint les marées de Floride. Enfin, il partit vers le sud. Et le sable et les rochers devinrent les merveilleuses îles de Bornéo, des Célèbes, de Sumatra, Java et l'archipel malais. À la fin de son périple, l'aîné des magiciens alla trouver l'homme sur les bords du fleuve Pérac. Ô fils d'Adam, toute la terre t'obéit-elle? Oui. Toute la mer t'obéit-elle? Non. Regarde. Une fois par jour et une fois par nuit, la mer monte dans le fleuve Pérac et ma maison est inondée. Puis la mer redescend le fleuve et emporte toute l'eau avec elle. Est-ce le jeu que tu lui as dit de jouer? Non. C'est un jeu nouveau et vraiment mauvais. Mets ta pirogue à l'eau et allons voir qui joue avec la mer. L'homme prit son kris, son poignard à lame recourbée. On ne sait jamais. La pirogue fut aspirée au-delà des bouches du fleuve, comme si on l'avait tirée avec une ficelle. Oh, bêtes, poissons et oiseaux des tout premiers commencements, lequel d'entre vous joue avec la mer? Nous ne jouons que le jeu que tu nous as enseigné. Nous ne jouons pas avec la mer, on n'oserait pas. Et toi, pêcheur de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer? Non, je file une ligne avec laquelle j'attraperai le monde. Je ne joue pas avec la mer. Oh, aîné des magiciens, lorsque mon père vous a parlé, une bête bizarre n'a pas attendu son tour et elle est partie se cacher dans la mer. À quoi ressemblait cette bête? Elle était ronde et plate, ses yeux poussaient au bout de tiges. Elle marchait tout de travers et son dos était recouvert d'une solide armure. Grande est la sagesse des petits enfants qui disent la vérité. Maintenant, je sais où est allé Pau Amma. La pirogue fut entraînée à toute vitesse vers le Pusat Tasek, le grand trou qui descend au centre du monde, comme le siphon d'un gigantesque lavabo. Pau Amma, réveille-toi. À quoi joues-tu, Pau Amma? Ah, rien. Une fois par jour et une fois par nuit, je vais chercher ma nourriture et je reviens. N'est-ce pas tranquille? Écoute, quand tu quittes ta cachette, toute l'eau de la mer s'engouffre dans le puits du Pusat Tasek. Et les plages restent nues. Et Raja Moyang Kaban, le roi des éléphants, se retrouve avec les pattes toutes crottées. Et quand tu reviens t'asseoir sur le Pusat Tasek, l'eau monte, les petites îles sont noyées, et Raja Abdullah, le roi des crocodiles, boit une grande tasse d'eau salée. Oh, je ne me savais pas si important. Je ne peux pas t'obliger à jouer le jeu auquel tu étais destiné. Sors de ton trou et parlons. Il n'y avait personne au monde d'aussi grand que ce grand roi crabe de tous les crabes. Eh bien, Pau Amma, fais-nous une magie, si tu es vraiment si important. Pau Amma était plutôt nul en magie. Après tout, c'était qu'un crabe. Couchez! Tu vois, tu n'es pas si important que ça. Laisse-moi essayer. Facile. Après tout, c'était l'aîné des magiciens. Dois-je demander à l'homme de te découper avec son kris, ou dois-je demander à Raja Moyang Kaban de te transpercer avec ses défenses, ou à Raja Abdullah de te mordre? J'ai trop honte. Rends-moi ma carapace et je me tiendrai tranquille. Non. Si je te rends ta carapace, tu es capable d'oublier ta promesse et de recommencer à jouer avec la mer. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux me cacher que dans le Pusat Tasek. Et si je vais ailleurs, tout mou comme je suis, les requins vont me dévorer. Si tu es d'accord, je peux faire de chaque trou, de chaque pierre, de chaque touffe d'algues, un Pusat Tasek pour toi et tes enfants. Je ne choisis pas encore. Regarde, voici l'homme. Sans lui, rien de ceci ne serait arrivé. Que comptes-tu faire pour moi ? Si tu es d'accord, je ferai une magie pour que tu puisses vivre à la fois dans l'eau et sur la terre ferme. C'est très bien, mais je ne choisis pas encore. Regarde, voilà la petite fille qui m'a vu m'en aller. Si elle avait parlé tout de suite, rien de ceci ne serait arrivé. Si tu es d'accord, je te donnerai cette paire de ciseaux. Avec, tu pourras casser des noix, creuser des Pusat Tasek et même grimper aux arbres. C'est un peu mieux, mais je ne choisis pas encore, car sans carapace, tous ces cadeaux ne me servent à rien. Rends-la-moi, aîné des magiciens, et je jouerai ton jeu. Tu auras ta carapace, mais durant 11 mois de l'année seulement, pour que tu ne deviennes pas encore plus avide et effronté. Cette fois, c'est d'accord. Je prends tous les cadeaux. Alors, l'aîné des magiciens fit une nouvelle magie. Et Pau Amma rapetissa et rapetissa encore. Donne-moi les ciseaux! Les ciseaux! Je peux casser les doigts et grimper dans les bois. Je peux respirer l'air sec et trouver un Pusat Tasek sous chaque caillou. Je peux creuser des trous, je suis important et important. Kun? Vaya Kun. Et voilà qui finit bien, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant, nous devons pagayer jusqu'à chez nous. Tu es paresseux. Tu es même la créature la plus paresseuse du monde. Oh, pêcheur de la lune! Tire donc la pirogue avec ta ligne. Non, pas d'accord. Si je dois rester paresseux, que la mer travaille pour moi 2 fois par jour. Kun? Paya Kun. Depuis ce jour, la lune attire et repousse la mer. Si le pêcheur tire un peu trop fort, ce sont les grandes marées. Mais s'il ne tire pas assez fort, ce sont les mortes eaux. Ah, j'oubliais. Les bébés de Pau Amma détestent qu'on les sorte de leur Pusat Tasek. Alors s'ils vous pincent avec leurs petits ciseaux, bah, c'est bien fait pour vous. Voilà.